Bien bonjour à tous et à toutes, c'est Kenshin, moi Kenshin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Xigbar. Donc l'un des membres de l'organisation le plus dur, donc je vais vous apprendre un petit peu comment le battre. Donc on va l'attaquer tout de suite. Donc la technique ça va être d'avoir beaucoup d'éther, un peu comme d'habitude, un peu comme tous les membres de l'organisation et tous les membres qui se... enfin tous les boss de Kingdom Hearts 2 qui sont compliqués. Avoir un bon stock d'éther, le maximum possible. La technique ça va être de spammer miroir et d'utiliser la forme suprême. Donc tout ce qui est recharge de flux est bien sûr le bienvenu. Voilà, donc son pattern est dégueulasse. Je suis désolé de le dire, mais c'est très random. Donc même si on connaît ses attaques, c'est compliqué de tout parer. Donc c'est pour ça qu'on aura besoin de spammer miroir. Là je regarde juste la forme de la salle parce qu'il y a 3 salles différentes, 3 ou 4. Voilà, attendez, je vais miroir un petit peu. Voilà, parfait. Et là, vous voyez, quand on miroir, les balles reviennent vers lui. Oups. Normalement, il aurait dû prendre ses dégâts. Mais bon. Voilà, c'est bon. Là, normalement, il doit se faire avoir par le combo. Qu'est-ce que je vais dire? Oui. Non, j'ai perdu le fil de mes paroles. Oups, j'ai plus de mana. J'ai plus de MP, pardon. Voilà. Il arrête pas de spammer quoi, donc son pattern n'est pas terrible parce que même si on connaît toutes ses attaques par cœur, il n'y a aucun moyen de vraiment le contrer. Ce qui c'est aléatoire. En fait c'est les attaques je les connais hein, mais elles sont lancées aléatoirement. Il n'y a pas d'ordre logique si vous voulez, ça vient, hein. Ça va et ça vient. Des fois il se TP, des fois il se TP au-dessus de toi, la véritable technique c'est de spammer miroir. Là par contre on peut appuyer sur carré au bon moment. Par contre c'est Dingo qui prend tout donc... Ah zut, et du coup je me suis fait avoir. Dingo qui est très pratique hein, en tout cas pour celui-là. Et là je dis pas ça ironiquement, c'est juste que... Bah là il s'est mis devant donc j'ai pas pu taper au bon moment, enfin parer au bon moment. Là c'est spammer miroir, attendre qu'il lâche ses pistolets qui tournent autour de lui et voilà. Vous pouvez ensuite utiliser la forme suprême, ça ira encore plus vite. Utilisez aussi la forme suprême, vous voyez, pendant la transformation, ça compte comme un miroir, en fait, ça va renvoyer les petites boules vers lui. Et ça, c'est son attaque la plus forte. Donc là, c'est une attaque très compliquée à parer. Là, puisque là, même en spammant miroir, on peut se prendre des coups. Par contre, avec la forme suprême, normalement, ça le fait. Oups, j'ai fait la mauvaise technique, là, normalement, il faut faire un vol glissé tout autour de lui. J'ai mis 2 éthers, bon c'est pas grave hein, bien sûr. La technique est quand même là, ça change rien. C'est juste que bon, ça, ce que je viens de faire ne sert à rien. On fait énormément de dégâts donc avec la forme suprême, on enchaîne, voilà, parfait, tout se passe bien. Là, on refait un miroir. On attend qu'il repop au-dessus de nous. Oh, oups, là par contre on peut se enchaîner, vous voyez, il y a certaines frames où à moins de spammer, vous risquez d'avoir des problèmes. Mais sinon, ce membre qui est censé être très compliqué, avec cette technique, vous n'aurez aucun problème à le battre. Juste en spammant miroir et avec vos éthers et votre forme suprême aussi pour vous aider, parce que vous pouvez miroir plus souvent, enfin plus rapidement, enfin je sais pas trop, ça doit jouer en frame, ça doit se calculer, peut-être qu'il fait un miroir en plus, je crois. Mais en tout cas, vous pouvez miroir dans les airs. Donc c'est très 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 pratique. Et lors de la transformation, vous pouvez gagner du temps et renvoyer encore quelques petites balles. Donc excellente technique que j'avais trouvée sur une vidéo, mais de toute façon j'avais la même technique hein, c'est pas compliqué, il faut juste pas me miroir, et voilà ce boss qui était anarchique parce qu'il a un pattern un petit peu aléatoire, enfin il tape aléatoirement ses attaques, et ben cette fois-ci on a réussi à le gérer, enfin là on a réussi à le gérer. En tout cas, il va falloir que je prenne des cours d'orthophonie parce que là, je n'ai pas été nickel pour mes explications. J'étais un petit peu dans le truc. Je m'excuse. D'habitude, j'essaie d'être un petit peu plus posé. Mais là, je suis bien content d'avoir réussi à le tataner en quelques minutes, 4 minutes, tout comme ça. Et on se retrouve pour une très prochaine vidéo. C'est un autre membre de l'organisation. Salut tout le monde.